nom de Yves Akoté Padenou, président fédéral UFC Bamono. Vraiment, nous sommes très ravis de la présentation de notre nouveau élu. Et nous n'en savons pas ce qu'il faut dire. Nous sommes vraiment en joie. Donc, ça nous va droit au cœur, quoi. Quels seront les appuis que la localité et la fédération UFC ici peut mesure d'accompagnement? Qu'est-ce que vous pouvez le faire pour le ratisser là? Donc, nous serons soudés. À chaque fois qu'ils nous appellent, nous allons répondre automatiquement. Et nous n'allons pas nous déchirer à côté de l'honorable. Maintenant, par rapport au fonctionnement de l'IFC aujourd'hui dans le Bamono, comment est-ce que ça se passe, les activités, comment est-ce que ça se déroule? La vie du parti ici. La vie du parti, je dirais que entre-temps, le parti est presque mort. C'est grâce à l'honorable Afang Bedi que le parti devient un peu et activant. Sinon, dans le temps, j'ai dit, ça ne fonctionne pas tel que cela se doit. Maintenant, ça va. Les réunions, ça commence par revivre le parti. Voilà, aujourd'hui, honorable Afang Bedi, c'est un appui, un atout pour vous? C'est un grand atout. C'est un grand atout par rapport aux autres députés, par rapport même au temps de André Johnson. Bon, on ne s'intéressait pas à nous et que nous sommes laissés comme un orphelin. Maintenant, aujourd'hui, ça fait qu'on est autour de lui pour que le parti puisse retrouver sa vie. Quelles sont les premières démarches d'implantation du parti vis-à-vis du nouveau qui est arrivé à Fagou? La démarche. C'est-à-dire au niveau de l'implantation, est-ce que le parti est représenté un peu partout? Comment est-ce que vous allez implanter le parti maintenant avec Afang Bedi? Avec Afang Bedi, on commence par refaire le bureau fédéral. On a refait le bureau fédéral. On commence par aller dans les sections pour refaire les bureaux sectoriels et après les démembrements. Et ça évolue. Et quelles sont les difficultés d'ailleurs rencontrées? Les difficultés, c'est que les gens sont, comme on a laissé un long temps, les gens sont maintenant indécis. Indécis, mais avec la motivation, ça va. Qu'attendez-vous de l'honorable? Vos attentes? Nos attentes par rapport à l'honorable député Afang Bedi, c'est que d'ailleurs, déjà lui-même fait beaucoup de choses à la population. Et maintenant, nous espérons qu'il va encore mieux faire. Déjà, il a commencé par faire les démarches. Et ça fait 2 semaines ou bien 3 semaines déjà qu'il est venu avec le directeur régional de Souité pour faire l'extension des courants d'Ati Togon. Et il y a aussi le représentant des infra-ruraux qui était arrivé l'autre fois pour tracer les voies dans le canton d'Ati Togon. Je crois que quand on va commencer par Ati Togon, après ça va aller dans les autres localités et au fur et à mesure, ça va atteindre tout le Bamono. Voilà. Mot de fin, je ne fais que remercier notre président national qui a mis sa confiance sur le choix de notre honorable Afang Bedi. Merci beaucoup.